Pleine tête, Gwen bassiste. Ellie batteur. David guitare chant. Et David guitare chant. On fait du rock alternatif. Plutôt tendance énergique un peu, quand même, à souligner. À chier, c'est à chier. Pourquoi tu dis que c'est... Alors, je me suis dessus. Mais non. C'est génial. On vient de Caen, tous. On répète sur Langrune. Et voilà. Non, mais c'est pas bon, ça. Alors, on existe en fait sous cette nouvelle formule depuis hier. Depuis hier, on a trouvé ce nom, ce nouveau nom, Pleine Tête. C'est tout récent. Mais sinon, non, ça fait quelques mois sous cette mouture qu'on travaille pour ce groupe. Mais voilà. Après, avant, il se passait quand même pas mal de choses. Et David va vous expliquer. J'aime bien ça. J'aime bien le relais. Ouais, du coup, oui, donc, avec David, du coup, on avait notre projet DAD à l'époque, enfin, qui est un projet qui a émergé dans les années 90, qui a perduré jusqu'à 2017, on va dire, et voilà, on a trouvé cette Pleine Tête, c'est autre chose, c'est une unité différente, c'est justement une unité. Ce qu'on n'avait pas forcément dans ce qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire jouer nous deux et s'entourer de musiciens, ce qui ne créait pas forcément un groupe comme on l'a actuellement. Chacun a sa place, chacun a son mot à dire, chacun et on s'entend très bien, et les répètes se passent super bien, on a plein d'énergie. Voilà, voilà ce qui ressort, voilà aussi pourquoi Pleine Tête, c'est qu'une énergie ressort de cette mouture actuelle et voilà, donc du coup forcément un nouveau nom pour ce projet différent. Par rapport aux influences, c'est un peu compliqué parce qu'on écoute chacun des choses un peu différentes, même si on se rejoint forcément sur du rock, on écoute du rock en gros quoi. Oui, c'est ça. Après, notre particularité quand même, c'est qu'on chante en français. Donc c'est pas évident parce qu'on a forcément des influences qui sont un peu anglaises ou américaines. Et donc chanter en français, c'est une autre façon de travailler. On n'a pas de revendications politiques dans nos textes, on n'est pas non plus dans une écriture poétique. On a des idées et puis on écrit dessus et on essaie de faire sonner les mots, en fait, pour que ça sonne avec le rock qu'on fait, quoi. Voilà. C'est ça, c'est bien. Parfait. Eh bien, quoi de neuf, Pleine Tête sera en concert le 2 mars, si je ne m'abuse, au Portobello pour le Pepper Rock Fest. On sort un album de 9 titres en début 2019. Bon, ça va être rapide. Hein. Ouais. C'est très bien, soit rapide des fois, plutôt que de se lancer dans un discours qui est pourri. Surtout toi, David. C'est pas en prévision pour l'instant en fait.
On attend de voir un petit peu et puis on avisera. Ouais, après c'est toujours bon. Je pense que ça aboutira forcément sur un clip, ce sera une envie, je pense. Pour l'instant, c'est pas l'actualité, vraiment. Là, on se concentre sur les mix, la sortie de notre bébé.